Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du tag de Orochefort Retorosso. Donc pour ce tag il y a 9 questions et je vais colorier dans le lieu de Fiatouf Apagite de Clara Marcova dans ce colloque. Vous voyez, et puis on y va parce que sinon je vais popoter comme vous connaissez quand j'avais fait les vlogs. Bref, on y va. On va partir. Comment, première question, comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Alors, comment j'ai connu ou par qui le coloriage? J'ai fait ça au lycée, comme ça, sans prétention à faire du coloriage. C'était en 2017, je crois. Et puis, quelle est votre deuxième question, quel est votre premier livre? Ah, et pas une. Après, je vais du matin, etc. Alors, deuxième question, quel est votre premier livre de coloriage? Mon premier livre de coloriage. Il est dans ma pack, je vais vous le dire. C'est le nouveau bestiaire extraordinaire, un truc. Il me suit depuis mes débuts de couleur. Question 3. Quel était vos premiers crayons et feutres? Premier feu, c'est les fameux Castel Pitange. Mais honnêtement, mes crayons, c'était les Décotam Action. Qu'avez-vous acheté comme d'autres matériels comme or et feutre? Mon premier livre de colo, stylo gel, voilà. Question 5, avez-vous commencé par des aplats ou vous avez fait dire de faire des dégradés? J'ai déjà essayé de faire des aplats. Et après, je commence au fur et à mesure à faire des dégradés. Arrive-t-il encore à faire des aplats? Oui. Ça arrive. Quand c'est nécessaire. Dans le music board. Non. Dans le Image Morphia, je crois. C'est un espèce de masque de tente en camo. Est-ce que des choses. Ça, c'était la 6 question 6. 1, 6, 7. 7. Est-ce que des choses vous manquaient de l'époque où vous avez commencé? Pour être franche avec vous, après il fallait que je m'entraîne. J'avais du mal à trouver des ambiances au colo. Si oui, sur quoi avez-vous et vous plus évolué? Alors, sur le réalisme, quand c'est un animal, je le fais d'une façon réelle. Bon, des fois, je le fais d'une couleur un peu plus fantastique. 8. Vous et vous débarrassez de certains livres, coloriels ou matériels de vos livres? Non. Non, je ne jette rien. De se servir également.
9. Quelle chaîne de couleurs regardez-vous au début? Et regardez-vous toujours maintenant? Je regardais pas de chaîne de colo avant, à part Julie Noeva. Mais je regarde toujours. Je regardais pas au début des chaînes de colo. Parce que ça me disait rien. Et puis j'avais envie toujours de me débrouiller par moi-même. Alors, et je tague tout le monde et je vous invite à le faire. Je vous invite tout le monde à le faire. Je ne tague personne. Tout le monde a le droit de le faire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez connectés.